Glaude Montpellier que la ministre des Droits des Femmes démarre sa visite montpelliéraine. La collectivité a mis en place un plan d'action dans ce domaine depuis un an. Ce matin, une rencontre était donc organisée avec les associations concernées. Il a été question de la violence faite aux femmes. Une étude a même été décidée. Elle permettra de mieux cerner le phénomène de prostitution étudiante. Quel est l'intérêt de cette étude? C'est évidemment d'avoir ensuite des outils de prévention pour éviter que cela se reproduise, car ça n'est souhaitable pour aucune étudiante d'être tenu, d'être forcé de subir la prostitution pour pouvoir payer ses études. Donc c'est une étude qui va être attendue non seulement par l'agglomération montpelliéraine et par mon ministère, mais aussi par l'ensemble des villes françaises et des territoires qui connaissent pour beaucoup d'entre eux la même problématique. Et autre problématique, la lutte contre l'homophobie ainsi que le mariage et l'adoption pour les homosexuels dont un projet de loi est en cours d'élaboration. Le passage obligé de la ministre, c'était donc le local de la Lesbian and Gay Pride, toujours à la rencontre des associations. On est sur le point d'adopter une réforme de société extraordinaire et il faut quand même commencer par savourer cela. On va enfin adopter l'ouverture du mariage pour tous les couples sans discrimination d'orientation sexuelle. C'est formidable. On va enfin laisser la possibilité aux couples homosexuels d'être reconnus par la loi comme potentiellement parents d'enfants. Et la ministre devrait donc revenir au premier trimestre 2013 pour assister au premier mariage entre deux Montpelliérains. Sera-t-elle témoin d'un des futurs mariés? La question n'est pas encore tranchée.